que jamais la différence ne doit être considérée comme une faiblesse. Ça doit être une force. On doit se servir de nos différences, on doit les aimer, les cajoler et les chérir. Voilà. Donc je crois que c'est le message principal de cette pièce, c'est que la différence, c'est chouette. Parce que je pense que je me sens différent, comme tout le monde se sent différent. Et il y a les gens qui essayent absolument de rentrer dans le moule, ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Et puis après, on se dit, bah, en fin de compte, pourquoi pas s'assumer comme on est? Et on se rend compte que tout le monde a ce sentiment-là, en fait, et qui est très exacerbé quand on est adolescent. C'est pour ça que c'était très agréable, je trouve, de jouer au lycée français, parce qu'on avait un public d'adolescents, et eux, la différence, ils la sentent tous les jours. Et il y a eu plein d'interventions, d'ailleurs, dans la salle, en disant, moi aussi, je me sens bizarre, moi aussi. Oui, je crois que c'est quelque chose d'humain de se sentir bizarre, de se sentir différent. Et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité, justement. C'est que si on était tous pareils, ce serait pas beau, on serait des fourmis, et ce serait moins sympa. Donc, voilà, j'aime parler de la différence, parce que j'y crois, je crois en sa force, et je crois en la pluralité de l'humanité. Un exemple.